Ici le Foster 741VB, une grosse capucine Alcoven de 7,41 m. Alors ici ça commence par un petit salon avec une petite table et un siège, la capucine, poste de pilotage, cuisine, deux feux avec piezo, le luxe, évier, ils sont tous pareils, et là le fridge avec le stock pour les bouteilles, donc c'est pas mal, le fauteuil ici, on peut bouffer. Alors ça, j'imagine la table, elle bouge dans tous les sens. Et ici, donc la cuisine, et il y a une porte. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Qu'est-ce que ça peut être? Oh! Oh, une salle de bain! Il y a un système de double cloisonnement. Oh, c'est pas mal ça. C'est pour les familles ça. Donc là, il y a une douche. Bon, il y a la douche, malheureusement. Il y a un big passage de roue. Si on ferme le... Ah, ça c'est dommage par contre. Bon, c'est pas terrible pour prendre sa douche comme ça, quoi. Et si on la prend comme ça, on est un peu déséquilibré. Mais bon, au niveau de la hauteur, 1,80 quand je suis sur le passage de roue. Alors l'avantage de ce système, c'est qu'il y a le double cloisonnement. Donc ici, est-ce qu'il y est ou pas? Ah non, je sais pas s'il y est. Bon, j'ai peut-être rêvé. Il n'y a pas de double cloisonnement en fait. Donc ici, chiotte. Et là, il y a la place. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas ce passage de roue là. Mais alors par contre, ici, c'est pas mal. C'est-à-dire que pour les gens qui ont des gosses, avec leur petit univers, deux lits au-dessus de la soute, une table et les armoires. Et les parents sont tranquilles, quoi. Bon, ils sont tranquilles, c'est dommage. Bon, les parents dorment dans la capucine là, et comme d'habitude sur ce genre de modèle, c'est quand même assez étroit. Donc là, les trois charnières. Est-ce qu'il y a un système soft? Non, il n'y a pas de système soft close. Et donc ça, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon, dommage pour le passage de roue.